51-50 rue des Ormes, un film québécois de Éric Tessier. Projet pour co-réalisation 1, mon nouvel environnement. Le 51-50 est l'adresse d'une maison où un jeune étudiant en cinéma se retrouve séquestré par une famille obsédée par la notion de justice. Le nom de la famille, c'est Beaulieu. Elles sont quatre. Le père, la mère, une ado, puis une petite fille aussi. Thriller psychologique, 51-50, rue des Ormes, doit beaucoup au jeu de ses acteurs qui nous font plonger dans les méandres de leur vision manichéenne. Mon père est pas fou, il y a juste trop de morale. T'en veux-tu combien? Juste du monde qu'il méritait. Dieu a envoyé Yannick comme épreuve. Figure centrale, le père psychopathe, justicier, illuminé, persuadé d'accomplir une mission de service public en se débarrassant des pédophiles et autres dealers. C'est ton initiation, Michel. À ses côtés, une femme soumise et une fille convaincue du bien fondé de ses actes accomplis, Dixit le père, sans violence inutile. L'éternel combat du bien contre le mal. J'ai jamais perdu une partie. Au cœur de l'intrigue, une partie d'échecs, figure métaphorique du combat entre le bien et le mal, faisant abstraction de toute nuance. Tu décidais de ce que t'allais faire avec moi? Bon, moi et aux échecs, gagne une partie, puis t'es libre. Dans cet univers en noir et blanc, la folie est contagieuse. Elle s'insinue lentement au fil d'un récit aux frontières du fantastique et à la tension grandissante, insufflée avec nuance et sobriété. Laissez-moi sortir!